Alors, on peut s'exprimer. Alors, s'exposer. Alors, dans le terme d'exposer, moi, j'y mets une dimension de mise en scène. Voilà. C'est cette dimension. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là, parce que vu que là, on parle principalement d'utilisation que les jeunes en font. C'est d'ailleurs la thématique de la conférence. Les jeunes, quand ils le font, ça, voilà, ils essayent de faire les malins. Hein, faut pas se leurrer. Donc, c'est pas, ils vont pas s'exprimer comme pourrait le faire un journaliste sur un. Le journaliste va s'exprimer, il va dire quelque chose, il va pas se mettre en scène. L'homme politique, bon, si l'homme politique un peu plus se met en scène, il va contrôler son image. Mais voilà, mais le jeune va s'exposer. Il se montre à Internet. Je suis là, coucou, je fais ça, je suis quelqu'un de bien, de cool. Soyez amis avec moi. C'est pour ça que je pense que le terme exposé est plutôt bien choisi. Mais on peut s'exprimer effectivement à la fin. Dans la citation que j'ai mise, c'est va permettre de s'exprimer, va permettre de, ouais. Donc, il pourra dire des choses et réfléchir ensemble. C'était ça le sens de la citation. D'autres questions? Oui. Alors, c'est une question complexe qui sort un petit peu de notre matinée d'information, parce qu'en fait, nous, on a exposé surtout l'utilisation qu'en font les jeunes entre eux. Mais la question que vous soulevez, elle est effectivement très intéressante, puisque si j'ai parlé des précautions à prendre pour l'utilisation avec ses amis et ses relations directes, il faut savoir que les gérants de ces systèmes-là, donc Facebook, Google, les gouvernements, vous avez peut-être entendu parler également de l'affaire Prism dernièrement, Edward Snowden, ancien informaticien de la NSA, le service de renseignement américain, a révélé que ce service de renseignement, la NSA, avait mis en place un programme de surveillance des populations via Internet. C'était quelque chose de tout à fait caché, donc et c'est pas le seul programme, c'est américain, mais il ne faut pas se leurrer, je pense que c'est américain, c'est le plus costaud parce que c'est eux qui gèrent Internet. Mais il faut pas se leurrer que dans tous les pays où les ordinateurs sont bien présents, chaque pays essaye de mettre en place ce genre de choses. Donc la question que vous soulevez, monsieur, c'est vraiment cette problématique-là. Est-ce que ce qu'on fait sur Internet, on peut le cacher aux utilisateurs? Oui. Est-ce qu'on peut le cacher aux gérants? Non. Tout ce que vous faites sur Internet, c'est absolument public. On peut aller voir vos mails, on peut aller voir votre compte Facebook, même si vous n'avez pas partagé en mode public. On peut, voilà. Alors, certains se disent oui, mais j'ai rien à cacher. Bon, on a toujours quelque chose à cacher de toute façon. On a toujours, c'est même si on fait rien de mal, une vie privée, ça s'appelle la vie privée tout simplement. Sur Internet, on n'a pas de vie privée. En tout cas, pas pour ceux qui ont la gestion, pas pour ceux qui ont la gestion du réseau. C'est le grand enjeu, si je peux me permettre, de la prochaine décennie qui arrive. C'est effectivement tout le contrôle des données qui est un potentiel commercial, en fait, pour tous les sites, pour tous les publicitaires qui utilisent nos données de navigation de façon totalement transparente. Pour nous, effectivement, vous naviguez sur un site, vous avez tous vu les petits panneaux publicitaires, etc. Mais bien au-delà de tout ça, effectivement, il y a tout un tas d'informations qui sont utilisées, on ne sait pas trop comment d'ailleurs pour l'instant, et il y aura sans doute un gros enjeu dans les années à venir à tenter de contrôler un petit peu ces propres données que chacun met, quoi. Mais là, Emmanuel, tu parles de la publicité, mais tout simplement de point de vue politique. Imaginez un KGB ou une Stasi capable d'avoir toutes les informations sur vous en trois clics. Avant, c'était plus dur. Il fallait mettre des micros dans l'appartement, il fallait le suivre, faire des filatures et tout. Et là, c'est vous. Vous donnez toutes vos informations. Voilà, on met notre vie privée sur Internet, pensant ne partager ça qu'avec nos amis et tout ça.
Et finalement, si un jour, pour X raisons, on est dans le collimateur d'un gouvernement pas super sympa, en trois clics, ce gouvernement peut avoir toute votre vie privée et puis faire en fonction, quoi. Voilà. Donc toute la question du Darknet qui essaye et qui arrive assez bien pour le moment à cacher les façons d'utilisation, oui, alors là par contre ça demande quelques connaissances du coup. Ça demande quelques connaissances pour... Il y a des jeunes... D'avoir, oui, mais alors justement, il faut avoir l'idée que ce logiciel... Alors déjà, il faut avoir conscience des problèmes. Ensuite, il faut avoir conscience qu'il y a des solutions. Ensuite, il faut réussir à utiliser les solutions. Ça fait beaucoup d'étapes pour un individu lambda qui va voilà. Donc, bon, faut savoir que les jeunes ont de plus en plus conscience de ces questions-là et justement sont tout à fait capables, s'ils en ont le souhait, de s'informer sur le darknet, ce qu'on appelle le darknet, la navigation anonyme, et pour cacher leurs informations personnelles. Mais c'est une pratique qui est très 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 loin d'être utilisée par beaucoup de jeunes. Certains l'utilisent. Voilà. D'autres questions ? Oui. Oui. Alors, les retraits de compte, ça se fait en théorie facilement. Ça se fait donc, je crois qu'en allant dans vos paramètres de compte, vous avez une option tout en bas de page, écrit en tout petit, supprimer votre compte. Donc déjà, il faut le trouver. Mais bon, c'est disponible. Ça va supprimer votre profil. Vous ne pourrez plus vous connecter. Seulement les informations, alors vous ne pourrez plus vous connecter seulement au bout de quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard. Il n'est pas supprimé tout de suite. Parce que, pardon, si vous changez d'avis, Facebook laisse la possibilité aux utilisateurs de revenir et de retrouver leur compte. En revanche, les données qui sont collectées lors de votre utilisation de Facebook, elles sont toujours là, quelque part. Le problème, c'est qu'on n'a que les promesses. On n'a que les promesses de ceux qui gèrent le réseau pour nous dire vos données ont bien été supprimées, nous ne les utiliserons plus. Voilà. Bon. Alors les données que vous avez publiées, qui ont été partagées, ont circulé sur Internet. Donc déjà là, on n'est plus capable de forcément toutes les retrouver, donc il y aura des traces. Et ensuite, les promesses de Facebook, on en a déjà vu qui ont été, qui n'ont pas été tenues, quoi. Donc, au niveau de la suppression des données. C'est leur fonds de commerce, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Les données personnelles que vous fournissez, ils les intègrent, ils en font des packages et ils les revendent aux publicitaires, notamment comme dont parlait Emmanuel. Donc, il y a tout à parier qu'ils n'ont pas super envie de subir une suppression de compte massif et puis de ne plus avoir de données, plus avoir de données à vendre. Voilà, on peut supprimer son compte et puis se dire j'utiliserai plus. Après, on ne pourra jamais certifié qu'il n'y a plus de traces sur le réseau. Ça, c'est impossible. Une autre question sur les faux mails. Oui. Alors, le risque avec ce genre de mail, donc c'est les mails avec une pièce jointe. Voilà, ceux-là. Si vous avez téléchargé la pièce jointe, elle est enregistrée sur votre ordinateur. Ça veut dire que même si vous supprimez le mail, il y aura quand même un fichier qui sera sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas enregistré, vous le mettez à la corbeille. Ça dépend des boîtes mail, mais quelques jours plus tard, la boîte mail est vidée et donc là, vous n'en avez plus trace. Et vous ne serez pas infecté. Le risque, vous pouvez même la laisser dans la boîte de réception, ce n'est pas un problème. Le souci, c'est qu'il ne faut surtout pas télécharger cette pièce jointe. C'est-à-dire ? Bah, je ne sais pas, je suis avec Apple. Ouais. Il y a une option de vider la corbeille en mode sécurisé. Sur Internet ? Là, il parlait de la corbeille de la boîte mail. Vous parlez de la corbeille de l'ordinateur. Ah, sur l'ordinateur. Alors là, non. là, non. Je ne peux pas vous répondre de façon générale parce que chaque virus est différent. Si vous téléchargez la pièce jointe, en général, un virus, c'est un exécutable. C'est un fichier exécutable. C'est-à-dire, c'est un programme qu'il faut installer.
Le plus souvent, c'est parce que c'est les plus faciles à faire, donc c'est les plus faciles, c'est les plus répandus. Il y en a d'autres, hein, mais donc ceux-là, si vous avez téléchargé le fichier mais que vous ne l'avez pas lancé, si vous n'avez pas procédé à l'installation, on peut espérer qu'il n'y a rien eu d'installé, et donc à ce compte-là, le mettre à la corbeille et vider la corbeille en mode sécurisé devrait vous laisser tranquille. C'est pas gagné avec tous, parce qu'il y a des fichiers, le simple fait de les télécharger, vous êtes infecté. Voilà. Donc le plus simple, c'est de vérifier l'expéditeur dans votre boîte mail, s'il est connu ou pas. S'il est connu, mais que ça vous paraît bizarre, vous contactez cette personne, est-ce que c'est bien toi qui as envoyé ce mail, est-ce que je peux l'ouvrir sans problème, etc. Si vous ne connaissez pas, si c'est EDF par exemple, si rien ne vous coûte un coup de fil chez eux, j'ai reçu ça, est-ce que je peux l'ouvrir sans problème. Si vous ne connaissez pas qu'il y a un fichier qui est en pièce jointe, corbeille. Là, vous oubliez. On ne pourrait pas envoyer parce que vous avez parlé des gendarmes. Mm-hmm. On ne pourrait pas leur envoyer ces trucs-là pour que. Pour les infecter ? Ils la font. Alors, j'ai pas de numéro. Je pense qu'ils ont un numéro. Ils doivent avoir un numéro. On pourra. On n'a pas les coordonnées ici, mais à mon avis, ils ont un numéro sur lequel on peut les appeler pour leur demander renseignements. Et les connaissant, ayant vu comment ils travaillent, ils sont très disponibles. Ils sont certainement capables de vous répondre. Ouais. Je crois qu'il y a surtout un site national où on peut aller envoyer des informations comme ça. Voilà, en cherchant sur Google, où on pourrait vous communiquer les liens, mais voilà. Les gendarmes vont plus, enfin je vous le dis franchement, puisqu'ils ne s'en cachent pas de le dire eux-mêmes, ils ne font pas malheureusement trop ce genre d'enquête, ils sont plus sur des enquêtes de pédophilie, de gros réseaux à démanteler, mais c'est malheureusement ces mails sporadiques comme ça que l'on reçoit, ils sont incapables de traiter ça. Ce qui existe pour les SMS, je pense qu'il y a le même service pour les mails. Vous devez pouvoir envoyer le mail à un service de référencement. Un service de référencement qui va enregistrer ce mail comme étant un spam, comme étant un indésirable. Et chaque personne qui recevra le mail ne l'aura pas dans sa boîte de réception, mais dans sa boîte de courrier indésirable. Il sera enregistré comme étant un mail dangereux, donc il n'ira pas directement dans la boîte de réception, mais ira dans les courriers indésirables. Ou n'arrivera pas du tout d'ailleurs, sera bloqué. Il doit y avoir des services comme ça, mais ça demanderait vérification. D'autres questions ? Oui, ce n'est pas une question, c'est plutôt une proposition. Ah. Je pense que tout l'aspect que tu as développé au niveau sociologique est vraiment très, très intéressant. Est-ce qu'il serait possible d'ici mois d'avril, par exemple, de refaire une conférence aussi en approfondissant un certain aspect ? En approfondissant la construction sociologique, identitaire des jeunes là-dessus ? Pourquoi pas, c'est une bonne proposition. Et il y a une dame qui demande la parole au pays. Oui. Attendez, excusez-moi, vous allez appuyer sur le petit bouton de votre micro, je vais vous donner la parole, ce sera plus simple, on vous entendra mieux. C'est bon ? Oui. Donc en fait, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, donc un jeune qui faisait même pas attention à la nature, il était sur une super belle montagne, il était avec son iPod, et donc en fait c'était une question sur la réalité et le virtuel. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'image des fois des jeunes qui en fait mélangent la réalité et le virtuel et qui font plus attention à la beauté de la nature, etc. Donc en fait... au niveau identitaire, on a l'impression qu'ils ont un besoin de visibilité et qu'ils ne font plus attention à l'ici et maintenant. Ils font attention dans le virtuel, mais pas dans la réalité. Et ils mélangent, mais nous, on a conscience de cette différence de la réalité et du virtuel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, vous pensez réussir à faire une barrière entre le, oui. entre le virtuel et, mmh. Moi, et, j'arrive, et le réel. Moi, j'arrive, mais eux... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est plutôt sur une tendance à une fusion des deux. C'est-à-dire qu'il y a des... Je pense là, par exemple, comme ça, je ne vais pas faire de la pub, je n'ai pas d'action chez Google, mais au Google Glass, par exemple, vous avez des lunettes sur le nez, et sur ces lunettes-là, vous recevrez des informations sur le réel que vous voyez. Voilà.
vous pouvez naviguer sur Internet en ayant des lunettes sur le nez et tout en regardant dans la rue, avoir des informations sur le magasin que vous avez là, à droite dans votre rue, dans la rue où vous êtes. Voilà. On va sur une fusion du réel. On va sur une augmentation du réel. Certains utilisent ce terme-là, une augmentation. Alors la séparation que vous faites est valable, je pense, pour tout ce qui est problème d'addiction. Tout ce qui est problème, voilà, je passe des heures, heures sur Internet et j'oublie que j'ai un corps et que j'ai des congénères à côté de moi. Voilà, donc là, on est vraiment sur un phénomène pathologique et il y a des façons de remédier à ça. J'ai vraiment du mal à concevoir, pour être un utilisateur et pour en connaître pas mal, à concevoir que les jeunes n'arrivent pas à faire la distinction entre le réel et le virtuel, et à ne pas apprécier ce qu'il y a là sur le moment présent. Je pense que ce problème-là que vous mettez en avant, de ne plus apprécier le présent, on met ça sur le dos peut-être de l'informatique, mais c'est peut-être tout simplement culturel sur sur l'accélération du temps de nos vies. Je pense que là, du coup, on est toujours sur la projection. Qu'est-ce que je vais faire après ? C'est quoi mon agenda, etc. Voilà. Alors, les outils qu'on utilise, les outils virtuels, nous permettent de gérer ce temps, mais est-ce que c'est réellement eux qui les accélèrent ? Est-ce que c'est vraiment eux ? Est-ce que c'est pas plutôt notre mode de vie ? Est-ce que c'est pas plutôt... Voilà. Donc là, on est vraiment dans des questions sociologiques, voire philosophiques, vraiment. Ça mériterait qu'on creuse plus la question, limite qu'on fasse un débat sur ce sujet-là, c'est possible. Parce que c'est une vraie question, et beaucoup, justement, refuse d'utiliser ce genre d'outils avec cette peur-là. Est-ce que je vais être encore dans le monde réel, quoi ? Bah, l'ordinateur est dans le monde réel. Il est toujours là. Voilà. Il en fait partie. Ce serait un vraiment bon sujet de débat. En fait. C'est un très bon sujet de débat parce que les positions sur ces questions-là sont... Moi, je vous ai donné un point de vue, hein, mais les positions sont diverses et les arguments, en général, pour les étayer, sont assez bons, quand même. Parce que c'est vrai qu'on a tous l'exemple du gamin à repas de famille qui est avec son smartphone et puis vous dites quoi là ? J'ai pas suivi la discussion. Ouais. On a tous cet exemple là, c'est évident. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui me dit de le proposer pour le mois de mars avril. René a beaucoup d'idées. C'est très bien. Bon, on verra. On pourra prendre quelques temps après la conférence hein, pour échanger, pour si vous voulez des mails, des numéros de téléphone, ça on pourra prendre le temps, pas de souci. D'autres questions, d'autres remarques ? Oui. Je pense que c'est primordial, je pense. C'est un outil, je répète encore, c'est qu'un outil, et un outil, on apprend à s'en servir, tout simplement. Et le problème qu'on a, c'est que cet outil-là s'est développé extrêmement vite. Vous avez vu là, Facebook a moins de 10 ans. Et le problème, c'est que le côté éducatif n'a pas eu le temps de s'adapter à l'usage. Donc les parents se sont retrouvés vite débordés par cet usage-là. Donc il y a un retard éventuel, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais un retard à reprendre pour être à jour. Et c'est sans parler des smartphones, justement, qui sont encore une autre problématique, et notamment dans les établissements scolaires avec lesquels on travaille tous plus ou moins, où le corps éducatif dans les établissements scolaires est quand même globalement assez dépassé par tout ça. Il ne sait plus comment gérer ça hein. En cours. Moi, je côtoie tous les jours des profs. Hein. Ils en ont ras la casquette des smartphones, des gamins, parce que voilà, ça devient ingérable en fait. Et c'est une vraie problématique. Mais comme dit Kevin, effectivement, tout ça est assez nouveau. Donc il n'y a pas encore de cadre bien clair. On ne sait pas comment
comment prendre les choses, par quel bout prendre les choses, voilà. Mais c'est vrai que c'est des problématiques à venir qui vont demander des réflexions et des solutions, sans doute. D'autres questions, d'autres remarques ? On se rappelle donc que le contenu de cette conférence, j'en profite, sera donc disponible, soit de façon audiovisuelle, sur le site YouTube, hein, soit par le biais du petit livre que le Réseau des espaces publics numériques du Grand Dijon va éditer, et qui sera disponible donc dans toutes les médiathèques de l'agglomération. Et vous pouvez le commander également sur Internet si vous voulez un exemplaire dans votre bibliothèque. Exactement. Voilà. Merci beaucoup.